le château La Tour Carnet, c'est un grand cru classé du Médoc. La tour du château La Tour Carnet a été construite en 1111. C'est un des plus vieux, ou le plus vieux château du Médoc, et qui est entouré de douves. La Tour Carnet, on a voulu l'installer dans la littérature. Pourquoi ? Parce que dans les années 1550-60, il appartenait à la famille Montaigne. Et nous organisons tous les ans un concours important, principalement avec des jeunes agrégés de lettres. C'est un vignoble qui est immense, puisqu'il fait 132 hectares. C'est vraisemblablement le plus grand du Médoc. Et nous, on en a fait l'acquisition dans les années 2000. Bon, on a amélioré la vigne et l'équipement de vinification. La qualité des vins du château La Tour Carnet réside en grande majorité dans la qualité de son terroir. Donc c'est un terroir de grave. Donc nous, les dépôts de grave qu'on a sur La Tour Carnet datent du 15. Sur le plan viticole, ce sont de loin les graves les plus exceptionnelles qu'on puisse trouver. Alors l'autre particularité de notre terroir, c'est ce qu'on appelle la butte de La Tour Carnet. C'est une curiosité déjà visuelle, puisqu'au niveau de la topographie c'est assez atypique, et puis géologique, puisque c'est la seule butte argilo-calcaire que l'on retrouve dans le Médoc. Donc sur ce type de sol s'épanouissent particulièrement bien les merlots. Ce qui explique qu'au château La Tour Carnet, on est pas loin de la moitié de notre encépagement qui soit en merlot. Cette dominante de merlot apporte à nos vins un beau fruit, de la souplesse, et permet d'aborder nos vins dans leur jeunesse. Donc ce qu'on recherche à tout prix, c'est une bonne harmonie entre ces deux cépages, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, de manière à faire des vins sur le fruit, des vins de plaisir, pas trop austères, pas trop fermés, et qui ont un long potentiel de garde. On met tout en œuvre pour exprimer au mieux notre terroir. Tout est vendangé à la main. Ensuite, la récolte est vinifiée. Pour les merlots, plutôt en cuve béton. Et pour les cabernets, plutôt en cuve bois. Ce sont des cépages plus robustes. Tandis que le merlot, qui est un cépage sur le fruit, c'est très important justement de préserver ce fruit, de l'intensifier. Et donc une vinification en cuve ciment est plus adéquate. Et ensuite, bien sûr, on fait des fermentations malolactiques et un élevage en barrique. Mais là aussi, c'est absolument pas pour maquiller ou couvrir ce fruit, mais au contraire, pour l'enrober, le mettre en valeur, arrondir les tanins. La particularité un peu des vins du château La Tour Carnet, c'est d'avoir des vins très expressifs, très sur le fruit, très gourmands. Et on les doit à la fois à nos pratiques au vignoble, au chai, et surtout à notre terroir et à cet encépagement qui fait une part belle au merlot. C'est un château qui obtient des notes excellentes et qui surtout est d'une très très belle élégance. C'est un très grand Médoc. Voilà.